matin, tout le monde. Est-ce que je peux entendre l'alléluia? Alléluia! Très, très heureux. On est dans une belle saison où on regarde ensemble comment devenir de meilleurs disciples de Jésus. Mais permettez-moi de boucler la boucle avec quelque chose de très important dans ma vie. Cette semaine, c'était ma cérémonie de remise de la maîtrise. Donc, oui. Donc, merci, je le mentionne parce que vous avez eu une grande part. Vous savez, la maîtrise en théologie, pour moi, c'est une manière d'être un meilleur pasteur. C'est pas juste ça, mais c'est une partie et vous me donnez l'occasion d'être votre pasteur. Donc, je vous dois vraiment, je vous dois beaucoup. Donc, je vous remercie. Et même si je suis maître en théologie, ma femme refuse quand même de m'appeler maître. Donc, ça change pas grand-chose, finalement. Notre mission, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. On travaille fort, on prie. Notre rêve, c'est d'avoir 10 000 disciples de Jésus, de se lever, de voir 10 sites de l'Église Le Portail. Et un disciple fait 8 choses, c'est l'acrostiche disciple. Et un disciple D, ça fait quoi? Ça décide de suivre Jésus. I, ça fait quoi? Image, un disciple se fait baptiser. S, un disciple est un serviteur. Un disciple est toujours un serviteur. C'est connecte. Un disciple connecte avec d'autres croyants. Tu peux pas vivre ta vie chrétienne tout seul. Et ce matin, on parle de I. Un disciple invite son entourage non chrétien à suivre Jésus. On va voir un disciple prie, il lit, il s'engage. Mais si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'Évangile de Jean. Premier chapitre, on retrouve notre ami Philippe qu'on a vu la semaine dernière, qui, lorsqu'on vient le voir pour lui dire « on veut voir Jésus », il va aller voir André. Puis André va l'amener voir Jésus et on va voir comment son histoire commence. Jean 1, donc l'évangile de Jean, quatrième évangile dans le Nouveau Testament, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'était dans les Actes des Apôtres, reviens un peu en arrière. Si tu es dans l'Apocalypse, tu peux abandonner, c'est correct. Va voir la table des matières, c'est correct, il n'y a pas de honte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. OK, Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». C'est toujours ça que Jésus va te dire. Il ne dit pas « Crois en moi », il va dire « Suis-moi ». Si tu crois en moi, tu vas me suivre. On va le voir par ta vie, par ton comportement. Ça paraît que tu es un chrétien. OK. « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël, un de ses amis, lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse, dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi ou maître, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. » Il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Tout ça commence par quelqu'un qui suit Jésus, qui va voir une autre personne. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, vraiment, vraiment, il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte-là, c'est que ton témoignage est la plus grande preuve de l'existence de Jésus. Ton témoignage est la plus grande preuve que Jésus est réel. Ton témoignage est la plus grande preuve que Jésus est vivant. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui croit que Jésus est vivant, est-ce que je peux entendre « Amen » À l'église de Terrebonne, est-ce que je peux entendre « Amen » OK. Vous savez, il y a une différence entre un vendeur professionnel et un client satisfait. Souvent, on a l'impression que le chrétien, on doit évangéliser, on est comme des vendeurs professionnels. Moi, par exemple, lorsque j'arrive, et c'est comme je suis, je sais qu'il y a du monde, si vous êtes des vendeurs, c'est votre travail, c'est noble, c'est légitime, mais moi, là, je le sens lorsque quelqu'un veut juste me vendre quelque chose, à tout prix. Puis on le sent, puis comme... Et là, si j'arrive, par exemple, dans un magasin, puis je veux acheter quelque chose, puis le vendeur me dit « Oui, mais j'en ai un pareil à la maison, ça fonctionne très bien. » Je vais être honnête, je ne le crois pas. Parce que tu veux me vendre quelque chose. C'est peut-être vrai, mais souvent, avez-vous remarqué, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, le vendeur en a toujours un. Puis des fois, c'est vrai, mais si j'ai un de mes amis qui n'a rien à me vendre et qui me dit « moi, j'en ai un, puis ça marche », ça a le plus d'impact dans ma vie.
Jésus, c'est la même chose. Si tu vas voir plein de monde que tu ne connais pas, tu as l'air d'un vendeur professionnel, mais si à un moment donné, des gens autour de toi voient Jésus en toi et tu démontres que tu es un client satisfait, j'ai confié ma vie en Jésus, je peux te garantir que c'est la meilleure décision que j'ai prise au monde, ça a un impact. Et ton témoignage est la plus grande preuve que Jésus est vivant. Vendredi, j'étais à la jeunesse et je parlais justement de qui je suis. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que Jésus m'a touché. Parce que si Jésus ne m'avait pas sauvé, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, vous savez que j'ai grandi dans un milieu dysfonctionnel. Ma mère était agoraphobique, donc ma mère ne pouvait pas sortir. À 5 ans, c'est moi qui allais faire l'épicerie, je faisais livrer. À 5 ans, ma mère me dit « t'es l'homme de la maison, elle ne pouvait pas sortir ». Souvent de fois à l'école ou lorsque j'avais du sport, j'attendais maman, je peux l'attendre 1 heure, 2 heures. C'est arrivé à un moment donné 3 heures, maman se pointe pas parce qu'elle est en peur à la maison. L'agoraphobie, c'est la peur de sortir. Ma mère avait aussi été dépressive, maniaco-dépressive, plusieurs tentatives de suicide. J'ai déjà trouvé ma mère après 3 jours où je la voyais pas dans la maison. J'ai défoncé la porte et ma mère avait tenté de se trancher les veines. Elle avait pris des médicaments. Puis je l'ai mis dans son lit. Et je me suis, à ce moment-là, j'avais aucune émotion. Complètement éteint. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu veux te protéger. Quand tu es manipulé, quand tu es blessé, tu te protèges. Et ce petit Gaétan a grandi. Et tranquillement, j'ai commencé à vouloir gagner l'approbation des autres. Lorsque j'étais petit, j'avais un problème d'élocution. J'étais suivi en orthophonie parce que lorsque je parlais, les gens riaient de moi. Okay, je parlais, les gens riaient parce que ça sortait tout croche. J'avais de la difficulté, je ne pouvais pas dire cheval, c'est un cheval. Moi, je peux rire de moi, c'est correct, c'est mon histoire. Et j'étais à l'école, je me faisais niaiser, j'étais exclu. En plus, ma mère était sur l'assistance sociale, puis je me souviendrai toujours, à un moment donné, il y avait une sortie, et une sortie de classe neige, puis moi, je ne voulais pas y aller. Puis mes amis ne comprenaient pas, mais je ne voulais pas y aller parce que je n'avais pas de saut de neige. Puis à un moment donné, c'est venu aux oreilles du professeur, puis on m'a dit « OK, on va t'avoir un saut. » Puis on m'a amené le saut le plus laid du monde. Donc, et je me rappelle, tu vas glisser, puis tu as le saut le plus laid du monde, puis ça paraît que tu es pauvre. Puis ça, évidemment, tu grandis, puis à un moment donné, moi, j'ai développé une culpabilité parce que ma mère faisait des tentatives de suicide, puis elle disait que c'était de ma faute. Et là, à un moment donné, ma peur, je suis grandi avec la peur d'être comme ma mère. La peur de dire, OK, est-ce que moi, je vais être quelqu'un qui a toujours des pensées suicidaires? Est-ce que je vais être quelqu'un qui va avoir toutes sortes de peurs dans la vie? Est-ce que je vais être paralysé? Puis j'ai grandi avec une colère, une rage en dedans de moi. À l'adolescence, à un moment donné, un de mes meilleurs amis, il me dit quelque chose, puis je le frappe, je voulais le battre à mort. J'étais comme tellement frustré, pas été à mon bal de finissant, une grosse gang d'amis, mais une colère, de la peur, de la confusion. À l'école, je pouvais avoir des bonnes notes, puis à partir de secondaire 4, je commençais à décliner, pas savoir quoi faire dans la vie. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et j'ai mis les pieds dans une église, j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus, puis j'étais désespéré. Moi, je me souviens, là, je voulais pas être comme ma mère, mais combien de fois je pensais à la mort. Puis je le savais, je dis, moi, ma vie, c'est sûr, je vais finir, je vais me suicider. J'ai pas le goût de mourir là, mais c'est ça, c'est clair, je vais me suicider, c'est comme ça que ma vie va se terminer. J'étais deep, désespéré. Puis quand j'ai rencontré Jésus, vous savez, à un moment donné, quand tu as une mère comme ça, il faut toujours que tu es l'homme de la maison, il faut que tu gagnes, il faut toujours que tu sois à la hauteur. Puis pourquoi j'ai aimé Jésus? C'est parce que tu n'as pas besoin d'être à la hauteur, il t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas besoin de gagner ton salut, de gagner ton pardon, gagner ta place, totalement accepté. Moi qui avais toujours des pensées de mort, quand j'ai rencontré Jésus, quand Jésus m'a sauvé, il dit... Le voleur ne vient que pour voler, tuer, dérober, mais moi, je viens pour vous donner la vie en abondance. Tout à coup, il y a comme une vie qui a pris place. Moi, qui avais de la difficulté à parler, Dieu, dans sa grâce, a fait de moi un prédicateur aujourd'hui. J'utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Moi qui étais un exclu, puis je me faisais niaiser à l'école, puis tout à coup, Jésus m'a dit, t'es dans ma famille, puis de la peur, toutes les peurs que j'avais, la peur d'être comme ma mère, j'ai reçu un esprit qui bannit toute la crainte, et je suis quelqu'un d'aujourd'hui très sécure, très confiant, et je n'ai pas peur de reproduire les patterns de mon passé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La colère, la confusion,
Jésus est le chemin. Tout à coup, j'ai trouvé ma place dans la vie. J'ai l'impression d'être sur mon X. Le désespoir. Moi, là, Jésus, quand on m'a présenté Jésus, puis ma vie, c'est comme le gars qui est en train de se noyer. Tu lui lances une bouée. C'est la seule chose que tu as au monde. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Fait que oui, je parle beaucoup de Jésus. Oui, je parle beaucoup de la grâce. Puis c'est pas ma théologie, c'est mon histoire. Et c'est mon témoignage. Et aujourd'hui, les gens peuvent dire n'importe quoi. Tu peux débattre avec moi. Tu peux me donner des arguments. On peut te sortir de la théologie. Mais pourquoi je sers Jésus? Parce qu'il est vivant. Je l'ai trop vu dans ma vie. Il y a des gens qui disent, moi, là, je crois pas en Jésus, je le vois pas, mais mon ami, tu crois pas à la gravité, viens avec moi sur le toit de l'église et lance-toi en bas. Tu vas voir que tu y crois ou pas, ça fonctionne. Et Jésus, tu peux dire n'importe quoi, mais encore une fois, malgré toutes mes études, la plus grande preuve de Jésus dans ma vie, c'est mon témoignage. Puis il y a plein de gens ici, la plus belle preuve que tu as que Jésus est réel, c'est ton témoignage, c'est ton histoire. Que tous ceux qui ont une histoire disent « Amen ». Yes! Et voyez, il va voir, on a notre ami Philippe qui vient lui raconter son histoire. Et il va dire à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus. » Deuxième chose que tu dois réaliser, c'est que tout le monde autour de toi a besoin d'un sauveur. Regarde, tout le monde pense à ton boss, pense à tes amis, pense à l'école, tes professeurs, pense à tes collègues, pense à tes employés, pense peut-être à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, ton oncle, ta tante, tes voisins. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Et quand tu réalises que Jésus, c'est pas parce que c'est bon pour toi, mais que tout le monde a désespérément besoin d'un sauveur, ça change quelque chose. Tu vois, ici, là, on va le voir, puis on a Philippe qui va voir Nathanaël, puis lui dit, on a trouvé celui qui est annoncé dans la loi de Moïse. Vous savez, c'est quoi le problème quand les gens disent autour de toi, disent, je suis une bonne personne, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Et moi, c'est pour ça que je confronte cette pensée-là, parce que quand quelqu'un se déclare bonne personne, tu déclares que Jésus est optionnel, et ça, c'est inacceptable. Le Fils de Dieu ne serait pas venu d'une manière optionnelle sur la terre. S'il est venu, le plus grand sacrifice de l'histoire de l'humanité, c'est que c'était nécessaire. Et c'est nécessaire pourquoi? Parce que tout le monde, on est incapable d'accomplir la volonté, la loi de Dieu. Il n'y a personne ici qui est capable d'accomplir la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. La loi dans l'Ancien Testament démontrait. En fait, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Tu es incapable de le faire, donc tu es pécheur. Et les prophètes annonçaient notre besoin d'un sauveur. Ils sont là en Jésus. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, moi, je suis une bonne personne. OK. La loi de Dieu, là, on peut la condenser, la volonté de Dieu, dans les 10 commandements. Est-ce que tu connais les 10 commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras pas d'image de Dieu. Tu ne vas pas employer le nom de Dieu en vain. Tu vas respecter le jour du Seigneur. Tu vas honorer tes parents. Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de mensonge. Tu ne convoiteras pas ce que ton prochain. Quelqu'un dit, « Ouais, je ne suis pas pire là-dedans. Moi, je m'en tire bien. Lorsque je vais arriver au ciel, je vais dire que je suis une bonne personne. » OK. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Est-ce que Jésus a toujours été numéro un dans ta vie? Comme diraient mes enfants, « fail ». OK, tu viens de briser un commandement. Est-ce que ton Dieu, le Dieu que tu t'es fait, est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible ou tu t'es fait une image, ton propre petit Dieu? On est très fort au Québec là-dessus. On se fait un Dieu à notre image, c'est-à-dire on prend un petit peu à droite et à gauche, mais est-ce que ton Dieu est le Dieu de la Bible? Non. Troisième « fail ». As-tu déjà sacré? OK, troisième « fail ». Est-ce que toute ta vie, tu as pris une journée à part pour adorer le Seigneur, pour te recueillir, pour méditer sur ses bontés, ses bienfaits dans ta vie? Je ne crois pas. Est-ce que tu as honoré tes parents parfaitement en tout temps? Non, on a des parents imparfaits, puis on a des enfants imparfaits. Deux parents imparfaits créent des enfants imparfaits. Ma femme, c'est une pécheresse qui a marié un pécheur, puis on a créé deux petits pécheurs. Un autre fer, OK. Là, tu m'entends, tu dis, OK, mais là, tu ne crées, là, tu commettras pas de meurtre, j'ai commis aucun meurtre, ça, j'ai obéi à la loi de Dieu. Jésus a dit, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas de meurtre, mais si tu te mets en colère contre ton frère, tu es passible de jugement. Jésus est en train de dire que le problème, ce n'est pas ton action, c'est déjà dans ton cœur, la disposition.
Est-ce que tu as déjà commis l'adultère? Lève pas la main, s'il vous plaît. Là, les gens disent, moi, j'ai jamais commis l'adultère. Ah, tu sais, est-ce que tu as déjà regardé quelqu'un d'autre que ta femme et ton mari pour la convoiter? Il y a un beau morceau de viande. Jésus a dit, encore une fois, vous avez entendu dire, tu ne commettras point d'adultère, mais quiconque convoite dans son cœur a commis l'adultère. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Les gens ont discuté, c'est pas la même affaire. Jésus est en train de dire que le péché, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Un autre fail. Tu veux qu'on continue? As-tu déjà menti? Quelqu'un qui dit non, voici ton premier mensonge. Tout le monde, non seulement on a brisé un commandement, on les a tous brisés, on les brise continuellement, et c'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur. Si ton plus grand besoin, c'était le divertissement, Dieu t'a renvoyé un animateur. Si ton plus grand besoin était l'économie, Dieu t'a renvoyé un économiste. Si ton plus grand besoin était une thérapie, Dieu t'a renvoyé un psychologue. Mais ton plus grand besoin, ton plus grand problème, c'est le péché en toi. Et c'est pourquoi il t'a envoyé un sauveur. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde autour de toi. Maintenant, il ne faut pas confondre, je vais terminer ce point-là, il ne faut pas confondre entre ce que les gens veulent et ce que les gens ont besoin. Vous savez le défi d'un pasteur? La tentation d'un pasteur, c'est de donner à ses gens ce qu'ils veulent plutôt que ce qu'ils ont besoin. Amène un enfant, donne 50 $ à un enfant, puis amène-le au centre d'achat. Est-ce qu'il va acheter ce qu'il a besoin? Il va acheter ce qu'il veut, ce qu'il désire. Le problème de notre humanité, de notre monde, c'est que notre monde ne veut pas ce dont il a besoin. Notre monde, tout le monde a besoin de Jésus, mais les gens n'en veulent pas. Comme dit quelqu'un qui fait des chroniques d'économie bien connues, « En as-tu vraiment besoin? » Combien de gens, même des adultes, parce que là, tu regardes les enfants, tu dis, ah, les enfants sont tellement immatures. Mais combien de personnes, on n'achète pas ce qu'on a besoin, on achète ce qu'on désire. C'est pas la même chose. Est-ce que notre monde, ce que ton entourage a besoin, c'est de Jésus-Christ? Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Merci, mon ami. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Ça, c'est une bonne réponse. Parce que quelque part, tout le monde autour de nous veut quelque chose de bon. On s'entend? Moi, là, lorsque j'ai mis ma vie entre les mains de Jésus, je voulais quelque chose de bon. Puis je vais être honnête, au début, je n'étais pas convaincu. Peut-il sortir quelque chose de bon du christianisme, de ce que j'entendais? Peut-il sortir quelque chose de bon? Et le point qui est vraiment important, alors qu'on est dans ce message sur « Invite », et j'y arrive, inquiète-toi pas, offres-tu quelque chose de bon à ton entourage? Il y a ceux qui sont au portail depuis un bon bout de temps, m'avaient entendu dire à plusieurs reprises, mais est-ce que nous, on tente d'offrir de bons conseils pour que les gens deviennent de bonnes personnes, qui ont une bonne morale, qui mènent une bonne vie? Non, ce n'est pas ça qu'on offre. Je n'offre pas une morale supérieure, je n'offre pas un comportement supérieur. Ce que j'offre de bon en tant que chrétien, que serviteur de Jésus, il y a une seule chose de bonne que j'offre, et c'est la bonne nouvelle de Jésus. Je n'ai pas la prétention d'être un meilleur mari. Je n'ai pas la prétention d'être un meilleur père. Je crois que par la grâce de Dieu, oui, je suis un meilleur mari, un meilleur père avec Jésus que sans Jésus. Mais ce qui définit ma vie chrétienne, ce n'est pas mon obéissance, ma performance que je peux faire, mais c'est tout ce que Jésus a fait pour moi. C'est sa grâce, la faveur imméritée sur ma vie. Faites-vous-en pas, je vais commencer à prêcher, ce ne sera pas long. OK. Je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer mon propos. Peut-il sortir quelque chose de bon? Puis souvent, là, on veut montrer qu'est-ce qu'on on veut offrir quelque chose de bon, mais on n'offre pas la bonne chose. La seule chose que tu peux offrir qui va faire la différence, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est juste ça qu'on a. C'est juste ça qu'on a. Et quand tu vis la bonne nouvelle à l'intérieur, il y a une transformation, là, ça change ton identité, ça change tes actions, ça change tes relations. Et oui, ta vie est meilleure. Mais tout ça commence par la bonne nouvelle de Jésus qui vient dans nos vies. Petite vidéo, je mets en contexte, c'est, vous savez, il y a des cages ou des cages à requins. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, on met un plongeur dans un requin, dans un requin. Ça, c'est pas une bonne chose. Tu peux le faire, mais c'est pas une bonne chose. On met un plongeur dans une cage qui est censée le protéger du requin et on le descend dans la mer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on attire les requins avec la nourriture. Puis les requins viennent tourner autour. Maintenant, voici ce qui s'est passé.
Il y a un homme qui est dans la cage, qui est dans l'eau. On attire le requin. Le requin va venir. Lui, là, il est dans l'eau. Il est en sécurité. Il pense que ça va bien. Je suis un bon nageur. J'ai un bon système. Tout va bien aller. Et finalement, il se produit quelque chose. C'est que le requin réussit à passer au travers les barreaux puis rentre dans la cage. Oh boy! Vidéo. Oh my God! In the cage. Oh my God. Oh. Was there anybody in there? Who's in the cage? Nobody's in the cage. Somebody in the cage? Yeah, somebody's in the cage. Somebody's in the cage. Oh my God. It has to be Ming. It's Ming. Oh my gosh. Okay. Jeez. Oh, we're so scared for him. Did you see that kid? I was down there. How did the cage keep eating? Are you okay? Oh, oh. OK, on peut l'arrêter. Wow, quelle bonne nouvelle! On s'entend? Ça, c'est mon histoire. J'étais, la colère de Dieu était sur ma vie. J'étais condamné à être séparé de Dieu pour l'éternité. Cette vie, le diable, le péché, mon passé voulait me dévorer, mais Jésus m'a sauvé. Et j'ai pas la prétention de dire que moi, j'ai fait quelque chose que d'autres n'ont pas fait. La seule chose que je peux dire, quelle bonne nouvelle que Jésus m'a sorti de là. Et c'est ça qu'on offre aux gens. On n'est pas en train de dire, hey, oui, mais c'est un bon nageur. Il a eu le bon réflexe. Ou c'est un bon requin. Tu sais, souvent, c'est comme, il vous dit, oui, mais comme évident, pasteur Gaétan, je suis d'accord avec ça. Oui, mais je veux juste te ramener sur l'essence même. Ce qu'on offre, c'est une bonne nouvelle. Puis cette bonne nouvelle, c'est que ma vie, mes bénédictions, essentiellement, ne sont pas basées sur ma performance, mais sur la performance de Jésus. Ce n'est pas mon obéissance, c'est l'obéissance de Jésus. Je veux être obéissant, mais mon obéissance est tellement imparfaite. Ma vie, mon identité, mon salut dépend de son obéissance. Ne dépend pas de ce que moi, je peux faire, de ce que lui a fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que je n'ai plus besoin... Il y a trop de chrétiens qui font des burn-out spirituels. Tu t'épuises à accomplir. Moi, là, je te le dis, là, probablement, là, présentement, je suis dans la saison la plus occupée de ma vie. Mais je suis très relax. Pourquoi? Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à démontrer. Ma valeur n'est pas là-dedans. Mon identité n'est pas là-dedans. Ma valeur et mon identité sont en Jésus-Christ. Je me repose de mes œuvres. Et par reconnaissance, je veux travailler fort pour le royaume. Donc, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu vis la bonne nouvelle? Et regardez, Philippe lui dit, là, il va se lancer dans un grand débat théologique. Qu'est-ce que Philippe va lui dire? Peut-il sortir quelque chose de bon? C'est quoi que le christianisme offre de bon? Et regardez ce qu'il va dire. Viens et vois. Wow! Hey, il y a des séminaires d'évangélisation qui durent 3 semaines. Puis lui, là, ça, c'est la méthode la plus puissante et la plus efficace. Il lui dit simplement, « OK, viens et vois. » Moi, pourquoi je suis un serviteur de Jésus aujourd'hui, c'est que quelqu'un me dit à un moment donné, « Viens et vois. » Et voici mon point. Jésus, je sais que ça va choquer des gens, Jésus ne te demande pas d'évangéliser, mais simplement d'inviter. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, le chrétien, on pense qu'on doit évangéliser, puis là, on se met une pression d'argumenter, de convaincre et de convertir. C'est la job du Saint-Esprit de convertir. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Moi, j'ai eu des arguments théologiques, j'ai gagné l'argument, mais je n'ai pas gagné la personne à Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et comprenez-moi bien, je crois qu'on est tous responsables d'annoncer la bonne nouvelle qu'on vit, de témoigner de cette bonne nouvelle. Mais souvent, on s'empêche de le faire parce qu'on pense que ça prend une méthode compliquée, alors que Jésus te demande juste d'inviter. 2 choses. Viens et vois. Est-ce que tu dis à ton entourage, non chrétien autour de toi, viens et vois. Viens. Cet homme, à un moment donné, qui se promène avec sa femme à Plattsburgh, puis sa femme a dit, « Hey, le gars là-bas, là, je pense que je le connais. Je pense que j'ai été à l'école avec lui. »
Mais je ne sais pas comment. Tu sais, je suis pas sûr. Fait que, mais on se tend en anglais. Puis, tu sais, je ne sais pas s'il parle encore français. Puis, est-ce que toi, tu parles un peu anglais? Est-ce que tu peux l'appeler? L'homme, il dit OK. Il dit Hey, you! Come here! Fait que là, il s'en vient. Fait que là, plus qu'il approche, sa femme me dit oh non, non, c'est pas lui, je me suis trompé. Es-tu capable de dire de s'en retourner? Ben non, chérie, tu sais que mon anglais est limité. Là, je sais pas comment. Je sais comment dire à quelqu'un de venir ici, mais je ne sais pas comment le renvoyer. Fait que là, c'est malaisant parce qu'il approche, Là, l'homme, il pense pas. Finalement, il part à courir l'autre côté de la rue où l'homme était. Il dit « Hey, you, come here! » Voici le principe très profond. On n'envoie pas quelqu'un à l'église, on dit « Viens avec moi! » On accompagne quelqu'un. Souvent, on envoie les gens. Et c'est pour ça que je pense, encore une fois, que l'évangélisation, c'est quelque chose au niveau des relations. Viens et vois. Est-ce que vous savez, OK, on considère le don dans la Bible, il y a des dons spirituels, il y a des gens qui ont des facultés, qui ont des facilités dans certains domaines, et il y a ce que. Il y a ce qu'on appelle le don d'évangéliste. On considère qu'il y a 10% des gens qui sont vraiment des évangélistes. Le problème, c'est que 100% des chrétiens sont appelés à partager la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que vous savez combien les statistiques nous disent, combien de gens, c'est quoi le pourcentage de chrétiens qui invitent des gens à l'église régulièrement? 2%. 2% des gens, donc au portail ce matin, il y a 2% des gens qui invitent. Donc on vient, on est béni, mais on ne partage pas la bénédiction. Et est-ce que vous savez que les mêmes stats nous disent que si un non-croyant, quelqu'un qui n'a pas d'historique chrétien, si on l'invitait à l'église, on dit que de 80 à 90% des gens accepteraient. Est-ce que je peux vous partager quelque chose, mais promettez-moi de ne pas utiliser ça contre moi. Je vais être transparent. OK, on passe à d'autres choses. Hein? Moi, je ne veux pas... Vous avez l'air d'une gang. Vas-y, on va te juger. Je vais être transparent. Moi, je me considère comme un évangéliste introverti. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai lu dans la dernière année là, sur les tempéraments introvertis, extrovertis, puis j'ai compris comment j'étais bâti, comment Dieu m'avait bâti. Vous savez, on est dans un monde où on pense que les pasteurs doivent être, il y a un modèle de pasteur, un modèle de croyant, puis il y a une diversité, puis j'ai compris comment j'étais. Puis moi, quand j'étais à l'école, dans ma formation, on nous envoyait dans la rue parler de Jésus avec des inconnus, puis frapper à la porte, puis il y a du monde qui font ça, puis ils font bien, puis c'est correct, là. Mais moi, là, j'étais comme, non. D'arriver devant un inconnu, puis de dire, hey, mon ami, ça va bien? Oui, t'es pécheur, t'as besoin de Jésus, tu vas aller en enfer. Je trouvais que c'est comme... Hein, c'est pas super efficace. Moi, juste, puis en passant, juste de vous dire, mon problème, c'est pas de parler de Jésus à des inconnus, c'est juste de parler à des inconnus. Moi, j'ai déjà travaillé comme, je faisais de la sollicitation par téléphone. J'étais mauvais. J'appelais la madame. Là, je suis en train de souper. Madame, on est dans votre quartier présentement, je suis en train de souper. OK, je m'excuse. Pourquoi? Moi, je suis pas fort. Tu sais, il y a des gens qui arrivent, puis bon, jaser avec plein de gens. Moi je suis plus timide, puis j'aime mieux avoir moins de relations, moins de discussions, mais d'avoir des discussions plus profondes que de juste butiner comme une abeille. Je suis à l'université. Je dois présenter mon projet devant 5 personnes. Je suis terrorisé. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ben, ici, si tu dis, oui, mais tu as 1500 personnes au portail, pourquoi on peut... C'est quoi? Ben, c'est parce que là, je suis dans ma zone de confort. C'est comme j'ai mis marque, là. Tu sais, je suis comme, mais quand tu... Puis là, tu me lances, puis là, il faut... Mais savez-vous, quand, par exemple, j'arrive dans des endroits, puis je développe des relations, puis je connais les gens, puis là, je commence à parler de Jésus autour d'un café ou d'autres choses, là, tout à coup, je me rends compte que je suis beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que c'est justement, j'ai compris comment j'étais fait. Et souvent, on a l'impression que l'évangéliste, on doit sortir dans la rue puis commencer à prêcher. Moi, j'ai déjà été dans un endroit là, où on nous a mis une boîte sur le coin d'une rue, puis on dit, tu vas monter sa boîte, puis tu vas prêcher la bonne nouvelle de Jésus sur le coin de la rue. Non. Il y a du monde qui dit, ah oui, oui, ça c'est l'évangélisation, hallelujah! OK, toi, tu es un extraverti, c'est clair. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire, nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle de Jésus. Mais moi, là, ce que j'aime faire, là, c'est que je parle avec les gens. Tout le monde sait que je suis chrétien dans mon entourage. Puis là, je leur dis, viens voir. Puis moi, là, j'ai un paquet de monde. Ah, on va aller voir ça. Puis je parle de Jésus. Mais tu n'es pas obligé de parler de Jésus avec tout ce qui bouge. Il y a du monde, tu es capable de le faire, c'est ton don. Mais la réalité, tu as des gens dans ton entourage. Il y a des gens que tu connais, tu as déjà des relations. Ils savent que tu es croyant. Invite-les à l'église. Il y a quelque chose comme... Et Jésus dit, Philippe lui dit,
viens et vois. Wow! C'est zéro pression. Zéro pression. C'est ce que j'aime dans cette méthode-là, c'est qu'il y a zéro pression. Moi, la première fois que j'étais à l'église, je n'aimerais pas la personne, mais le pasteur a fait un appel. Qui veut mettre sa foi en Jésus? Lève la main. Puis moi, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dit, « Lève la main! » Zéro pression. Lorsque les gens viennent au portail, zéro pression. On lance des appels, zéro pression. Si vous êtes d'accord, dites « Amen ». Mais quels sont ceux ici, là, tu peux dire que ton histoire avec Jésus a commencé lorsque quelqu'un t'a invité à l'église? Lève la main. Lève la main. Il y a plein de gens. La majeure partie des croyants, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un t'a invité à l'église. Peut-être que tu n'es pas à l'aise d'arriver puis de tout déballer le plan du salut, mais tu es capable d'inviter quelqu'un à l'église. La bonne nouvelle, c'est que je fais le travail pour toi. Mais souvent, juste invite. Je crois qu'on a une belle église, on est fiers de notre église. C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église? Et ça change tout. Moi, quand j'ai des invités, là, ma semaine, là, j'ai une vie de prière intense. Puis tout à coup, c'est comme pourquoi? Parce que justement, on a des gens qu'on a encore, on les aime. Puis tout à coup, on se dit, hey, on ne fait pas l'église juste pour une gang de chrétiens entre nous, puis on se bénit. On réalise que Jésus, c'est la bonne nouvelle, c'est l'espoir de tout le monde, puis on veut rendre ça accessible à tout le monde. Et si tu es invité ce matin, sois le bienvenu, on est content de te voir. La bonne question, c'est 2% des gens invitent. Qui pourrais-tu inviter dans les prochaines semaines? Qui pourrais-tu? Parce que son histoire peut commencer là. Et mon point, peut-être que tu es invité ce matin, ou peut-être que tu commences à venir au portail dans les dernières semaines et tu commences à voir Jésus, la réalité de Jésus. Je veux continuer avec notre texte. Regardez. Jésus vit Nathanaël venir à lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Citation du psaume 32:2 qui dit, « Heureux l'homme dont le péché est pardonné. » Ok, j'entrerai pas là-dedans, mais Jésus est intentionnel. Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Je veux dire aux gens qui ont été invités ce matin ou qui viennent à l'église depuis quelques semaines, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Moi, mon histoire, est-ce que tu sais comment tout a commencé, au tout début? Mon père et celle qui n'était pas sa femme à l'époque, était en concubinage, à un moment donné, le couple ne va pas bien. Elle décide de se prendre un appart, s'en va dans un autre endroit. Puis à un moment donné, elle sort de son appartement, puis elle entend de la musique. Puis, ça attire son attention parce que la musique parle de Jésus. Et elle, pas barrée, décide d'aller cogner à la porte. L'autre, la madame, ouvre la porte. Et celle qui va devenir la femme de mon père dit, « Oui, j'ai entendu la musique de Jésus, c'est quoi ça? » Imaginez, là, tu dis, « Seigneur, ouvre une porte. » Elle, là, c'est vraiment une porte ouverte. Là. Tu sais, là, ils viennent à ta porte. Puis là, elle commence, elle dit, « Ah, ben, je m'excuse, est-ce que la musique est trop forte? » Puis, « Non, c'est juste que j'entends parler de... » J'ai dit, « Ça me touche, puis je comprends pas, puis je suis comme... » Et là, cette dame-là lui présente la bonne nouvelle de Jésus. Puis là, elle lui dit, « Ben, comment ça se fait que toi, tu crois tout ça? » Puis elle dit, « Ben, c'est parce que je vais à l'église, puis tu sais, ouais, est-ce qu'on a le droit d'y aller, nous autres, à l'église? » Là, elle était à l'église. Là, elle a invité mon père était à l'église. Puis moi, j'étais en recherche spirituel, puis j'étais dans l'ésotérisme, puis la méditation transcendantale, puis l'occultisme, puis tout ça, puis je cherchais à droite, à gauche, puis je me souviens, j'avais été à l'église catholique, puis j'étais là, puis j'avais été voir le prêtre pour qu'il me bénisse. Je cherchais. Je cherchais. Et là, tout à coup, boum, j'arrive. Est-ce que vous pensez cette femme, là, le jour, quand elle a pesé play, là, sur sa radio, parce qu'à l'époque, il fallait que tu pèses play sur ta radio, OK, pour les jeunes, là. Maman, c'est quoi play? Elle ne peut pas s'imaginer toutes les répercussions qu'un jour, il y aurait un pasteur dans une église qui parlerait du moment un hasard. Il n'y a pas des gens vont dire un hasard. C'est pasteur Sam qui va dire, souvent les gens vont dire, quand on prie puis ça arrive, il y a des coïncidences. Pasteur Sam dit, c'est drôle que plus qu'on prie, plus qu'il y a de coïncidences. C'est pas une coïncidence que tu es ici ce matin, c'est pas un hasard. Et je termine avec ceci pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Regardez ce que Jésus va dire à Nathanaël. Nathanaël reprit et dit, « Rabbi, donc maître, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Puis Jésus va lui dire, «
tu vas voir de plus grandes choses encore. À toi ce matin, je veux juste dire que non seulement tu n'es pas ici par hasard, mais Jésus est encore plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Moi, lorsque je lui ai donné ma vie, il y a au-delà de 20 ans, je ne pouvais pas imaginer, je ne pouvais imaginer qu'une fraction, une portion de ce qu'il était pour faire dans ma vie. Je vous le dis là, je ne pouvais pas imaginer, ça a été un saut dans le vide. Et je le dis souvent, permettez-moi de radoter à 40 ans, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, mais je ne pouvais pas imaginer tout ce qu'il était pour faire. C'était trop gros. Et toi, tu es là, tu es au seuil, tu es au seuil de cette vie, de cette marche avec Jésus, tu ne peux pas t'imaginer tout ce qu'il va faire. Puis c'est un peu ce que Nathanaël va se faire dire par Jésus. Il y a comme une conception de Jésus, tu es le roi d'Israël, tu es le Messie. Puis Jésus lui dit, « OK, c'est un bon départ, là, mais tu vas voir tellement de plus grandes choses. » Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi, là? Hein, c'est pas juste mon histoire, c'est notre histoire. Jésus est tellement plus que tout ce qu'on peut imaginer. Puis à toi qui t'es là, là, peut-être que tu performes pour être accepté dans ton travail, ta famille, tu travailles fort. Puis finalement, là, tu m'écoutes ce matin et tu dis, ouais, moi, je suis performant, mais c'est pour me valoriser, pour être accepté. Je veux juste te dire que Jésus t'accepte tel que tu es. C'est pour ça qu'on parle de la grâce qui est une faveur imméritée. Tu ne le gagnes pas. Tu ne gagnes pas la liberté. Tu ne gagnes pas le salut. Tu ne gagnes pas son amour. C'est déjà là. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens te reposer. Du monde, tu es fatigué. Là. Viens te reposer. Il y en a d'autres, tu luttes avec des doutes. Tu dis, oui, mais pourquoi Jésus? Il y a tellement de religions. Il y a tellement de mouvements. Pourquoi Jésus? Jésus a fait quelque chose d'unique. Comme je dis souvent, le christianisme est meilleur, pas parce que les chrétiens sont meilleurs, parce que Jésus est meilleur. Jésus a fait ce que Mahomet, ce que Bouddha, ce que Krishna, ce que qui tu voudras n'a pas fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils. Dieu est venu marcher sur cette terre. Non seulement il est venu marcher sur cette terre, il est mort pour toi, pour pardonner tes péchés. Viens Jésus. Il y a du monde, toute ta vie, tu as eu peur d'être rejeté. Parce que tu as été rejeté puis tu continues d'avoir peur d'être rejeté. Et la Bible dit que lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu es adopté. Je ne peux pas dire à mes enfants, tu n'es plus mon enfant. C'est la chair de ma chair. Et quand tu mets ta foi en Jésus, il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a un esprit en dedans de toi, la peur. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons. Du monde, tu es ici puis tu soupires après un nouveau départ. Tu as fait des gaffes, tu as fait des erreurs. Peut-être que ta vie est ravagée, saccagée. Tu as besoin de repartir à zéro. Et pour d'autres, on va être honnête, tu es peut-être plus avancé dans la vie, puis c'est difficile de repartir à zéro. Mais un, c'est possible de repartir à neuf. C'est possible d'avoir un nouveau départ. Et cette vie n'est que la préparation pour la prochaine vie, qui est la vie éternelle. Et je répète encore une fois, parce que c'est la seule chose que j'ai. Je n'ai pas d'autre chose à t'offrir. Que si tu mets ta foi en Jésus, tu vas devenir une nouvelle création. Les choses anciennes vont être passées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître. Ça veut juste dire qu'en Jésus, elles vont cesser d'avoir un impact dans ta vie. Jésus a la capacité d'utiliser ton passé pour bâtir ton avenir. Il y a des gens, tu dis, oui, mais moi, là, j'ai tellement souffert, j'ai tellement eu d'épreuves. Sans Jésus, c'est des souffrances gaspillées. En Jésus, ces épreuves peuvent devenir un témoignage. Viens à Jésus. Je termine avec ça. Il y en a d'autres, tu as cherché ton accomplissement dans les relations. Dépendance affective, peut-être même dépendance sexuelle. Tu cherches. La Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, non seulement tu mets ta foi en lui, mais ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il y a une union qui est là. En fait, ce que j'essaie de te dire, là, c'est que Jésus répond à tous tes besoins. Jésus pardonne, libère, donne une nouvelle identité, une union avec lui. Un sens d'accomplissement, un sens à ta vie. Cette bonne nouvelle-là, je l'ai reçue, elle a changé ma vie. Des gens peuvent dire que ça a changé leur vie, puis je te l'offre ce matin. Comme un cadeau, tu dois le recevoir. Pendant quelques instants, j'aimerais que tu réfléchisses. On peut peut-être pencher la tête, fermer les yeux. Quelqu'un qui est ici, et tu dis, oui, ça c'est pour moi ce matin. Je veux que mon histoire avec Jésus commence. Je réalise que je ne suis pas là par hasard. Je réalise qu'il est tellement plus que tout ce que je peux penser, imaginer.
Si tu es ici ce matin et tu veux recevoir Jésus, tu veux recevoir la bonne nouvelle de Jésus, je te demande simplement de lever la main là où tu es. J'aimerais prier pour toi dans quelques instants. Que quelqu'un ici veut recevoir Jésus, de se confier en Jésus, lève votre main à l'arrière. Quelqu'un d'autre? Lève ta main. Oui. Lève ta main sur le côté. Fais-moi confiance, tu ne réalises pas comment ce moment va changer ta vie.